Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous montrer une technique d'achat-vente pour vraiment monter en crédit, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé en commentaire, voilà, comment monter en crédit, pourquoi j'ai autant de crédit. Donc c'est simple les gars, sans besoin de l'achat-vente, vous achetez des joueurs sur FIFA et vous les remettez un peu plus cher et ils vont partir. Donc là je vous ai proposé une liste de 23 joueurs et ces joueurs là les gars, c'est des tueries. Donc je sais pas si vous avez remarqué un truc, mais c'est que des joueurs de première ligue. Chaque fois que je joue contre des autres adversaires, les trois quarts du temps les gars ils ont des premières ligues, et donc c'est les joueurs voilà qui partiront le mieux. Et surtout ces 23 là les gars, donc ce sera des joueurs, il n'y en a pas un qui coûte au-dessus de 5000 crédits, ils coûtent tous en dessous de 5000 crédits. Donc voilà, à peu près je pense si vous avez 30000 crédits, vous prenez ces 23 joueurs là et vous allez faire exactement la même tech que moi, et vous allez voir, vous allez vendre énormément comme ça pour vous acheter, je sais pas, Ronaldo, Messi, Neymar, les joueurs voilà que vous préférez. Donc surtout les gars, je vous conseille déjà de noter un par un les joueurs sur une feuille, et surtout vous prenez bien les postes que je vais vous dire. Donc je vais vous le dire un par un. Donc là je vais vous dire à chaque fois le poste qu'il faut prendre le joueur. Donc Ali, il faudra le prendre en MC, lui il faudra le prendre MC, lui AG, lui MC, lui MC, lui AG, lui AD, lui AD, MG, AD, BU, MDC pour Fellaini. Ensuite on remonte là dans l'équipe, donc Ramsey il faudra le prendre MDC, Batsui il faudra le prendre AT, Schoensteiger il faudra le prendre MDC, Coquelin MC, San MDC, après Oxlade Chamberlain il faudra le prendre AD, Oscar faudra le prendre MC, Anderson faudra le prendre MDC, Muzonda faudra le prendre AG, Xhaka faudra le prendre MDC, et Sterling vous pouvez le prendre soit AVG, parce qu'en fait je l'ai déjà en changement de poste, que normalement sa carte, voilà, sa carte grise normalement elle serait MG, donc soit vous le prenez AVG, soit vous le prenez AG. Donc voilà les gars, vous prenez exactement les mêmes joueurs que moi, et si je vois vraiment que ça vous intéresse, voilà, de temps en temps que je vous mets des vidéos d'achat-vente, mettez un petit like, comme ça je vous renverrai une petite série ou des autres techs bien sûr pour monter un peu plus. Mais je vais vous monter, enfin je vais vous montrer maintenant comment faire la tech, hein, parce que là voilà c'est des noms de joueurs, voilà, des petites idées de joueurs. Et maintenant je vais vous montrer, voilà, je vais faire trois exemples. On va prendre les trois derniers, je sais plus. Voilà. Donc on va les prendre en changement de poste et je vais vous montrer comment il faut faire. Donc déjà Shaqiri, je vous avais dit de le choper AD, donc on va aller le choper tout de suite. Donc là en fait vous allez sur le marché des transferts, hein, et sérieux, si vous faites exactement la même tech que je fais, vous allez gagner des crédits, vous allez voir, parce que je sais que moi ça marche énormément. Donc on va essayer de choper la carte la moins chère. Donc là par exemple, vous voyez, on va juste prendre, on va voir déjà s'il n'est pas parti. Regardez, exactement, nickel. Donc lui en fait on l'a pris, donc c'était la carte la moins chère, parce que j'avais déjà mis Shaqiri avant AD et sa carte la moins chère. Donc Shaqiri, regardez, on l'a chopé canonnier, donc déjà c'est pas de base, donc c'est très bien, parce que normalement toutes les cartes elles sont de base, donc canonnier c'est dire qu'il a un style, donc c'est ça veut dire qu'il a un petit plus, voilà, donc ça partira un petit peu plus. Donc sa carte elle a aussi 99 de forme, donc c'est le max, on peut pas avoir au-dessus, et je vous conseille toujours de prendre au moins plus de 4-5 contrats. Donc là il en a 16 et c'est la carte la moins chère qu'il y avait, donc parfait. Moi je vous conseille les gars, vous prenez, regardez, on a pris Shaqiri, hop, vous le listez et simplement vous allez mettre 1000 plus cher. Donc là par exemple on l'a acheté 2800, vous allez mettre 1000 plus cher, donc ça fait 3008 3009, voilà, vous mettez ça 1000 plus cher, voilà, vous cassez pas la tête, vous listez directement, pas besoin de le mettre dans l'équipe ou de changer je sais pas quoi, voilà, vous faites ça directement. Donc ensuite on va prendre un autre joueur, donc on va regarder vite fait cette équipe que j'avais dans ma liste. Donc j'ai dit je vais faire trois exemples, donc là on a eu de la chance parce qu'on a chopé directement une carte, voilà, qui était vraiment intéressante, mais des fois vous allez voir c'est un peu plus compliqué. Ensuite on va prendre Firmino, donc Firmino il faudra le prendre BU, et Fellaini il faudra le prendre MDC, vous voyez, deux changements de poste. Donc on va aller prendre Firmino, le joueur de Liverpool, hop. Donc Firmino je vous ai dit il faut le prendre BU, donc déjà vous venez ici, vous mettez BU directement, là vous mettez Firmino comme ça, et vous allez, on va essayer de chercher sa carte la moins chère, donc je sais pas combien il coûte, 1800, regardez 1800, c'est vraiment pas cher, hein. Vous descendez. Vous descendez jusqu'à, voilà, jusqu'à que ça dit plus le message. Quand ça dit plus le message, voilà, quand ça fait ça, c'est dire, voilà, c'est les cartes, c'est les cartes. Donc là, regardez, son prix le moins cher, c'est 1500 à Firmino BU. Donc vous voyez, il y en a plein, mais il y en a toutes, voilà, toutes elles sont de base. Vous voyez, c'est marqué de base, tout en dessous de la carte. Et nous, juste avant, souvenez, on a chopé Shaqiri en canonnier, donc il avait déjà un style. Quand il est de base, vous prenez pas, vous en prenez pas une. Je vous conseille, voilà, vous remontez 200 crédits. Donc là, cette fois-ci, on va monter à 1600. Et là, regardez, des fois, voilà, il y en a, regardez, il n'y a que des deux bases. Et cette fois-ci, il y a finisseur. Donc en plus, il a 28 contrats, 92 de forme. Donc c'est, voilà, vraiment intéressant. Donc pour l'instant, on va prendre celle-là. On va regarder s'il n'y en a pas d'autres. Donc là, regardez, il y a un autre finisseur. Là, il y en a 7,89, un peu moins intéressante que l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Architect aussi. Architect 20 contrats, 94. Après, pour les attaquants, voilà, vous regardez, regardez. Architect, ça lui fait 3 points en plus en passe et 3 points en plus en physique. Donc pour un attaquant, c'est mieux d'avoir finisseur. Parce que regardez, finisseur, ça lui fait 3 points en plus en tir. Et voilà, vu que c'est un buteur, voilà, c'est beaucoup mieux pour lui. On va regarder jusqu'à la fin quand même ce qu'il y a. Donc là, il y a un canonnier 22,88 aussi qui serait pas mal. Et là-bas, il y a finisseur aussi 3,90, la dernière carte, hein, qui est là. Donc nous, on va les prendre, bien sûr, on va les prendre la première de finisseur que je vous ai montré depuis le départ.
qui était à 28 contrats. Voilà, 28 contrats, c'est très bien. Donc normalement, on va acheter celle-là. Donc là, on va le prendre 28-92. Après, c'est pas grave hein, s'il n'a pas 99 de forme. Si vous voulez, vous pouvez le prendre, vous le mettez dans votre équipe, vous faites un match et comme ça, il aura directement de la forme. Et vous pouvez le revendre. Enfin, vous pouvez le revendre après 1000 plus cher. Donc nous, on va l'acheter s'il n'est pas parti. Non, voilà, il n'est pas parti. Nickel. Donc vous le prenez, hop, et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Pas besoin de le mettre dans son équipe, à part si vous voulez lui mettre 99 de forme. Mais si vous pouvez, hein, enfin si vous voulez, surtout vous le remettez 1000 plus cher. Donc voilà, 2600, 2700. Et vous allez faire ça, voilà, avec ce deuxième joueur-là. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, les gars. Même le plus teubé de la terre, il va faire ce deck-là. Et on va aller faire le dernier. Donc le dernier, je me souviens, c'était Fellaini. Voilà, donc Fellaini, le milieu de Manchester United. Donc lui il est MC de base, nous on va le prendre MDC. Donc MDC, voilà, vous mettez milieu défensif comme ça, et pareil on va chercher sa carte la moins chère. Donc à 1600, vous voyez il y en a plein. Donc quand il y en a plein, c'est qu'on descend. Jusqu'à quand ça nous dit mais ce message là, voilà, faut que ça nous dise ce message là, et après vous montez de 100%. Donc ici, voilà, il y en a plein. Donc on voit hein, des deux bases, comme je vous ai dit à chaque fois, il ne faut pas prendre de base, il faut prendre où il y a un, voilà, où c'est marqué quelque chose d'autre. Donc là, on voit Rock, mais le problème, vous voyez, c'est qu'il n'a pas de contrat. Voilà, pas de contrat. On va essayer de chercher une autre carte. Hein, une autre carte intéressante. Donc là, il y a Maestro, il a 12 contrats, ce qui est vraiment pas mal, 12 contrats. Après, il n'a que 86 de forme. On pourrait le prendre, on va regarder juste qu'il y a d'autres. Donc voilà, il n'y a rien d'autre. Soit. Moi je vous conseille, soit vous prenez ce Maestro là, vous le mettez à 2003-2004, ou soit, voilà, si elle ne vous intéresse pas, vous augmentez juste 200 crédits, voilà, 100, pas plus, hein, vous remontez 200, et on va regarder ce qu'il y a d'autre. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas d'autre, on en a remonté jusqu'à 1004, il n'y en a pas d'autre. Donc là, les gars, ce qu'on va faire, hop, vous le prenez, vous le remettez, voilà, à 1300. Je vais vous montrer, voilà, je vous montrerai plusieurs cas aussi. Donc là, vous faites lister, soit vous listez directement comme ça, 2300, 2003-2004, c'est comme vous voulez, mais après, comme je vous ai dit, il n'a que 86 de forme. Après, ça, vous de voir si vous voulez le relister comme ça, parce que voilà, les gens ils préfèrent toujours les acheter quand ils ont 99 de forme. Ou sinon, si vous voulez pas le, vous voulez qu'il ait vraiment une belle carte et le mettre à 99 de forme, vous le placez dans votre équipe. Donc, dans votre équipe, on va le mettre, il est où, il est tout au fond. Je sais pas, on va faire comme ça directement. On va le mettre dans notre club, voilà, et on va retourner dans notre équipe et on va lui mettre de la forme et vous allez voir. Bah, il aurait une plus belle carte, mais comme ça il partirait un petit peu mieux. Mais il faudra voilà, rajouter un petit peu de crédit pour pouvoir bien sûr mettre cette carte forme. Donc on va dans notre équipe qui est ici. Voilà, donc vous faites exactement avec tous les joueurs que je vous ai montré là. Et vous allez voir, ça va partir de ouf. En plus, les joueurs que je vous ai montré là, c'est des tueries. Donc il est là notre joueur, vous vous souvenez, 12-86 avec Fellaini. Donc on le prend, hop. Ce que je vous conseille les gars, c'est que vous voyez là, il y a plein de trucs. Donc c'est marqué suggestion, forme. Contrat après, donc nous on va aller sur forme hein, parce que nous c'est de la forme qu'il faut lui remettre, donc on va lui mettre plus 40. Après j'ai que ça hein, donc je mets 40. Donc vous vous souvenez, il avait 86 et on lui a rajouté plus 40, donc bien sûr il avait 99 au plus enfin sa forme max. Donc maintenant regardez, il a 12 de, enfin il a 12 de contrat, 99 de forme, donc très belle carte. Il est en changement de poste parce que normalement il est MC, on l'a pris, enfin on vient de le choper MDC, changement de poste ça marche beaucoup mieux. Et il est maestro, donc on voit qu'il y a deux traits en plus en dribble, en tir et en passe. Donc c'est très bien pour un, surtout pour un milieu hein, comme Fellaini. Et ensuite, voilà, vous pouvez le lister. Donc 1300, on va le remettre 2003-2004. Hein, comme j'ai dit les gars, vous mettez 1000 de plus. Après, vous pouvez mettre bien sûr un peu plus cher si vous voyez que vous en vendez trop tous les jours. Et regardez, on le met 2003-2004. Et lui, j'en suis sûr, demain ou même dans la journée, les gars, à chaque fois, à force de lister, ils vont partir. Donc regardez, hein, vous faites exactement toute la tech que je viens de vous montrer avec tous ces joueurs là et vous allez vendre énormément de cartes hein. Donc ça c'est vraiment une tech pour ceux qui, je pense tout le monde la connaît, mais je sais qu'il y en a, pas mal enfin, qui la connaissent pas. Donc je vais vous montrer voilà quelques ventes que je fais. Après moi voilà, j'essaie de faire sur des plus gros joueurs, ça sera des techs, vous me direz si vous voulez que je vous montre, que je fasse des exemples. C'est la tech avion, c'est là vraiment on commence à gagner énormément de crédit parce que moi je mets très très cher. Chaque fois que je vends une carte en fait en tech avion, je gagne à peu près je mets à peu près 15 000 de plus, donc je gagne vers 12 000 crédits et j'en vends à peu près 5-6 par jour. Donc moi voilà, je prends 70 000 crédits par jour, moi c'est très bien. Mais ça c'est vraiment la tech petit budget, vous voyez. Donc ça c'est plein de nos joueurs, d'autres noms bien sûr. Pour l'instant j'ai donné une liste de 23 joueurs, c'est vraiment des joueurs de première ligue. C'est vraiment les joueurs qui partent le mieux en première ligue. Après bien sûr dans les autres championnats aussi qui sont utilisés comme, comme le championnat... Un championnat de Liga, voilà, comme Carrasco qui marche super bien, Ben Yedder en MOC, Xhaka, vous avez vu, je l'ai mis dans la vidéo, vous avez vu, il est parti à 4500. Même moi, ces joueurs-là, je les mets 2000 de plus, mais pour vous, vraiment, pour vous montrer vraiment que ça marche, mettez 1000, et après, si vous voyez que ça marche vraiment bien, vous montez 1200, 1300, vous mettez comme vous voulez, et surtout, vous relistez au max, hein. Je sais pas si vous avez une pile à 30.
défendre, vous remplissez 30 joueurs comme ça, si vous avez une pile à 100 joueurs, voilà, vous pouvez mettre 100 joueurs dedans, vous mettez 100 joueurs dedans et voilà, vous allez faire énormément de ventes et vous allez gagner énormément de crédits parce que moi, tous mes crédits que je me suis fait, voilà, c'est grâce à ça, j'ai pu m'acheter Ronaldo, Belgi, tout. Enfin, j'ai testé tous les meilleurs joueurs du jeu, je me suis même acheté Suarez de Totti, voilà, il a coûté au moins plus de 3, mais enfin, pratiquement 4 millions. Je l'ai vendu parce que voilà, j'ai même pas trop, il était trop lent. Mais voilà, si vous voulez vraiment des crédits, faites cette tech-là et vous allez vraiment grimper au max. Donc, n'hésitez pas à liker les gars pour enfin ceux qui vraiment qui veulent voir encore des vidéos d'acharvante. Je verrai, hein, tout dépend le nombre de likes. Si je vois qu'il y a beaucoup de likes, c'est-à-dire que vous voulez que je refasse une ou deux petites vidéos comme ça d'acharvante et surtout une autre liste. Voilà, vous mettez un like et voilà. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.